Que le Seigneur vous bénisse abondamment. The Lord bless you abundantly. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le découragement. Comment vaincre le découragement? Today we are going to exhort ourselves on how to overcome discouragement. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine du découragement dans l'esprit d'un disciple. There are many factors that can lead to discouragement in the spirit of a disciple. Ça peut être un échec. It could be failure. Ça peut être une déception. It could be disappointment. Ça peut être une incapacité. Par exemple, une incapacité de plaire aux amis ou de plaire à Dieu. It could be an incapacity, whether an incapacity to please friends or to please God. Ça peut être une incapacité d'accomplir ses objectifs. It could be an incapacity to accomplish his objectives. Ça peut être des échecs dans la vie de prière. It could be failure in the prayer life. Et ça peut même être les suggestions que le diable introduit dans la pensée de quelqu'un. And it could even be suggestions that the devil brings into the mind of someone. Pour montrer qu'il ne vaut rien. To show that he's nothing. Qu'il est le dernier. That he's the last. Et qu'il ne pourra rien faire de bon. And that he can do nothing good. Et le découragement a des conséquences très sérieuses. And discouragement has very serious consequences. Pour un disciple, for a disciple, l'une de ses conséquences, c'est par exemple rétrograder. One of those consequences is, for example, backsliding. C'est d'abandonner le but. Is to abandon the goal. C'est cesser de courir. Is to stop running. Et quand on est encouragé, when one is encouraged, quand on est fort dans son esprit, when one is strong in his spirit, et on prend des décisions impopulaires, we take unpopular decisions, et on avance sans crainte, and we move on without fear. On ne craint pas le prix à payer. We don't fear the price to pay. On ne craint pas le candidatum. We don't fear the consequences. L'apôtre Paul nous donne un exemple de quelqu'un qui avait un but à poursuivre. The apostle Paul gives us the example of someone who had a goal to pursue. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 par exemple. In 1 Corinthians chapter 9 for example. Du verset 24 au verset 27. From verse 24 to 27. Voici ce qu'il affirme. This is what he affirms. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable prize, but we for an imperishable prize. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it to subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Donc l'apôtre Paul dit ici qu'à cause du but, parce qu'il voulait atteindre le but, il s'était imposé toute espèce d'abstinence, des règles d'abstinence. So the apostle Paul says here that because of the goal, because he wanted to accomplish his goal, he imposed upon himself all kinds of rules of abstinence. Il est donc évident qu'un homme découragé se déconnecte tout simplement. So it is evident that a discouraged person just disconnects himself. Il cesse de courir. He stops running. Il s'arrête. Il perd la puissance. He stops. Il perd l'énergie. He loses power. Il perd la motivation. He loses motivation. Et il est désintéressé. And then he becomes disinterested. Rien n'est plus important à ses yeux. At that stage, nothing is more important to him anymore. Et lisons encore une autre déclaration de Paul dans Philippiens chapitre 3. Let us read another declaration of Paul in Philippians chapter 3. Jusqu'au verset 15, du verset 7 au verset 15. From verse 7 to verse 15. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death, if by any means I might attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfect, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Donc, quand quelqu'un perd la vision, so when someone loses the vision, il ne lui reste qu'une image floue de la gloire à venir. Only a blur image of the glory to come is left for him. Une image floue de la vision de la gloire à venir ne peut pas garder quelqu'un dans la course. And a blur image of the coming glory cannot keep someone in the race. Et Paul dit que chaque enfant de Dieu devrait être animé de cette manière de penser. And Paul says that each child of God must be led by this kind of thinking. Il dit que quand il a donné sa vie à Jésus, quand il a rencontré Jésus, he said that when he gave his life to Jesus, when he met Jesus, il a considéré que tout ce qu'il avait gagné dans le monde était une perte. He considered that everything that he had gained in the world was a loss. Il dit quand il a grandi dans la connaissance de Jésus, and he said that when he grew in his knowledge of Jesus, il a considéré tout chaud dans le monde comme de la boue. That he considered everything in the world as rubbish. Et il dit qu'il s'est consacré pour connaître l'identification avec Christ dans ses souffrances. And he said that he concentrated to know identification with Christ in his suffering. Il faut noter ici que ça ne peut arriver qu'aux gens qui ont un rêve, qui poursuivent un but. Note that this can only happen to people who have a dream, who are following a goal. Cette manière de se comporter ne peut arriver qu'à ceux qui ont les yeux clairs, ceux qui voient les choses à venir. This way of thinking can only happen to those who have their eyes clear and who have their gaze on the coming glory. Le découragement a cette capacité de déconnecter le croyant. Discouragement has this capacity to disconnect the believer. De détruire en lui le rêve. To destroy the dream in him. Et Paul dit, Paul says, qu'il court droit vers le but. That he runs straight towards the goal. Il dit qu'il oublie ce qui est derrière. He says he forgets that which is behind. Quand les gens sont découragés, leurs yeux sont fixés sur ce qui est derrière. When people are discouraged, their eyes are fixed on that which is behind. Leur regard reste fixé sur leurs échecs. Their gaze is fixed on their failures. Et leurs oreilles sont très attentives aux paroles négatives. And their ears are very attentive to negative words. Et le diable en profite pour souiller leur imagination. And the devil takes advantage of this to defy their imaginations. Vous savez, l'imagination est une faculté de l'esprit. You know that the imagination is the faculty of the spirit. Qui permet de se représenter les réalités. Which permits one to represent realities. Les réalités invisibles comme visibles. That is both invisible and visible realities. Donc, l'imagination n'est pas une faculté de discernement de la vérité.
So if the imagination is not a faculty of the discernment of reality. Quelqu'un peut s'imaginer des faussetés croyant qu'il est dans la vérité. So someone can imagine falsehood and thinking that he is in the truth. Donc quand on est dans le découragement, l'imagination est remplie d'idées qui nous présentent le monde autrement. So when we are in discouragement, our imagination presents us with ideas that gives us a different image of the world. Quand il y a un exemple dans la Bible. There's an example in the Bible. Naaman était un lépreux. Naaman was a leper. Il était allé voir Élisée pour sa guérison. He went to see Elisha for his healing. Mais en allant, il s'était représenté la manière dont il serait reçu et la manière dont le prophète allait prier pour lui. While going, he had given himself an image of how he would receive and how the prophet would pray for him. Cette manière de concevoir comment le prophète va sortir de la maison, le rencontrer et agiter les mains sur la plaie et le guérir, c'est ça qu'on appelle l'imagination. This image of how the prophet would come out, then take his hands and lay on him, that is what we call the imagination. Quand il y est arrivé, and when he got there, le prophète a envoyé son serviteur lui dit d'aller se plonger sept fois dans les eaux du Jourdain. The prophet sent his servant to go tell him to go and wash himself seven times in the river Jordan. Vous voyez que ça n'avait rien à voir avec ce que Naaman s'était imaginé. You see that this had nothing to do with Naaman's imagination. Donc les gens qui ont perdu le courage s'accrochent sur cette vision fausse de leur imagination. So people who have lost hope have this false imagination of their vision. Quelqu'un qui a perdu le courage peut croire qu'il ne vaut rien. Someone who has lost courage can think that he's worth nothing. Il peut penser que tout le monde se moque de lui. Can think that everyone is mocking him. Et il peut croire que personne ne l'aime. And he can think that no one loves him. Il peut se représenter un monde méchant qui l'agresse, qui le persécute. He can make a representation of a world that assaults him and persecutes him. Il peut se représenter un environnement qui n'est là que pour se moquer de lui. And he can present himself with an environment that is there only to mock him. Mais Dieu a donné à l'homme une autre faculté qu'on appelle l'entendement. But God has given to man another faculty that is called the understanding. Dans l'entendement, il y a un peu de raison dedans. In the understanding, there is a little bit of reasoning. L'entendement s'occupe de tout ce qui est éthique, qui est moral. And it takes care of all that which is ethical and moral. C'est pour cette raison qu'il raisonne. That is why it reasons. Donc quand quelqu'un est découragé, so when someone is discouraged, il laisse son entendement, he leaves his understanding, qui devait lui donner une compréhension objective des phénomènes, which could give him an objective comprehension of phenomena. Il s'accroche à son imagination. And then he lays hold of his imagination. Qui lui offre maintenant des choses qui peuvent être fausses et qui peuvent être vraies. Which now gives him a multitude of things which could be true or lies. Mais un enfant de Dieu, but a child of God, qui est tombé dans ce piège, who has fallen into this trap, ne peut s'en sortir, can only come out, qu'en gardant les regards fixés sur son rêve, sur sa vision, son but. By fixing his gaze on his dream, his vision, and his goal. Et je parle ici des enfants de Dieu. And here I'm talking about children of God. Parce que leurs visions, leurs rêves sont forgés par les promesses de Dieu, par les prophéties que Dieu leur a données. Because their dream and vision is forged by the promises of God and the visions that God has given. Les païens ont d'autres raisons pour être découragés. Unbelievers have other reasons to get discouraged. Nous ne pouvons pas traiter ça ici. We cannot talk Mais about that here. Nous traitons le cas de ceux qui ont été sanctifiés, lavés, justifiés. We are treating the case of those who are sanctified, washed, and justified. Qui ont commencé la course. Who started the race. Qui s'étaient fixé des objectifs. And who set goals. Et qui ont médité sur l'appel de Dieu dans leur vie. And who meditated on the call of God on their lives. Parce qu'ils savent que Jésus a dit. Because they know that Jesus said. L'ouvrier qui a connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. That the servant who knew his master's will and did not prepare to do it will be beaten with many blows. Donc après avoir connu la volonté de Dieu, ils se sont assis, ils ont planifié certaines choses. So after having known the will of God, they sat down and planned certain things. Et après une déception, un échec, and then after a disappointment and a failure, et ils ont été découragés. They were discouraged. Et ils ont abandonné la course. And they abandoned the race. Il y a une histoire dans la Bible. There is a story in the Bible. Nous allons la lire dans le livre de Luc, chapitre 24. We are going to read it in Luke chapter 24. Versets 13 à 24.
from verse 13 to 24. C'est l'histoire de deux disciples. This is the story of two disciples qui étaient sérieusement découragés après la mort de Jésus. Who were seriously discouraged after the death of Jesus. Et ils ne savaient même pas encore que Jésus était ressuscité des morts. And they did not even know that Jesus had resurrected from the dead. Et ils avaient entrepris de rentrer, d'aller dans un village. And they had decided to go to a village. Et la parole de Dieu précise que le village était même très éloigné de Jérusalem. And the word of God precises that the village was very far away from Jerusalem. Mais le Seigneur avait demandé à ses disciples de l'attendre à Jérusalem. But the Lord had asked his disciples to wait for him in Jerusalem. Mais dans leur découragement, but in their discouragement, ils ont entrepris d'aller au village. They decided to go to the village. Lisons un peu leur récit. Let us read the story here. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained, so that they did not know him. And he said to them, What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which happened there in these days? And he said to them, What things? So they said to him, The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Donc ces deux disciples étaient tristes. Ils n'étaient pas seulement découragés, mais ils étaient tristes, tout tristes. So these two disciples were sad. They were not only discouraged, but they were very sad. Ça fait partie des conséquences du découragement. This is one of the consequences of discouragement. La perte de joie, loss of joy, la perte de paix, loss of peace, l'agitation, agitations, le manque de repos, the lack of rest. Toutes ces choses-là peuvent même plonger quelqu'un dans la dépression. All these things can even plunge someone into depression. Et on a rencontré des cas de dépression dans des églises. And we've met cases of depression in churches.
et même dans notre ministère de délivrance. And even during our deliverance ministry. Un homme devrait garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. A man has to keep his eyes fixed on God's promises. Ces deux disciples ont eu le salut parce que le bon berger les connaissant est allé vers eux. These disciples were saved because the good shepherd, knowing them, went towards them. Je veux dire que le Seigneur Jésus ressuscité savait qu'il y avait deux éléments, deux disciples qui étaient en train de s'égarer. I'm saying that the Lord Jesus Christ who had resurrected knew that there were two disciples who were going astray. Et Jésus utilise les Écritures pour les ramener à lui. And Jesus uses the Scriptures to bring them back to him. Non, pour les ramener à Dieu. To bring them back to God. Jésus n'a pas dit, c'est moi le Christ, je suis ressuscité, non. Jesus did not say, I am the Christ, I've come back to life, no. Il a pris les Écritures. He took the Scriptures. Et ceci nous montre la place des Saintes Écritures dans le ministère pastoral. And this shows us the place of the Holy Scriptures in pastoral ministry. Même dans le ministère d'enseignement. Even in the teaching ministry. Le Seigneur Jésus lui-même a restauré deux retrouvailles en utilisant les paroles des prophètes. The Lord Jesus himself restored two backsliders by using the words of the prophet. Il pouvait faire une démonstration de puissance devant eux et les ramener. He could have made a demonstration of power and then bring Mais them il a utilisé les Écritures. But he used the scriptures. Parce qu'il est écrit. Because it is written. Il soutient toute chose par sa parole toute puissante. That he backs everything by his almighty word. Et sa parole ne passera point. And his word will never pass away. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Verset 29. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 24. Verse 29, we are still in Luke chapter 24. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening. And the day is far spent. And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, did not our heart burn within us when he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us? So they rose up, and that very hour returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together. La parole de Dieu dit, the word of God says, le Seigneur a commencé par leur expliquer les Écritures. That the Lord began by explaining the scriptures to them. Il leur a expliqué ce que disaient les prophètes à son sujet. He explained what the prophets said about him. J'imagine qu'il a dû lire Psaume 22. I imagine that he could have read Psalm 22. Que nous allons lire ensemble. That we are going to read together. Dans le Psaume 22 qui parle de Jésus. In Psalm 22 that talks about Jesus. Le verset 2 par exemple. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Éteins-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? In English is verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning. J'imagine aussi qu'il a dû lire le Psaume 22, versets 17, 18 et 19. I can imagine that he also read Psalm 22, verse 18, 19 and 20. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent et ils se partagent mes vêtements. Et tire au sort ma tunique. In English is verse 16, 17 and 18. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierce my hands and feet. I can count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them. And for my clothing, they cast lots. J'imagine aussi qu'il a dû lire pour eux
l'Isaïe 53. I can imagine that he also read for them Isaiah 53. Découvrons-le ensemble. Together, let's discover it. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour des péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit found in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for him, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord will prosper in his hands. He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities.
Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. En fait, le Seigneur a utilisé, comme je viens de dire, les paroles des prophètes. Lisons un dernier passage que le Seigneur a dû certainement lire à ses deux disciples. As I was saying, the Lord certainly used the words of the prophets. Let's read one last passage, which I think that the Lord actually used to encourage the disciples. Isaïe 61. Isaiah 61. Verset 1 à 3. Verse 1 to 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. En fait, ce que Jésus a fait ici, c'était pour créer en eux la foi en la résurrection du Seigneur. In fact, what Jesus did here was to create in them the faith in the resurrection. En fait, le message, le témoignage de la résurrection est c'est le cœur même de l'évangile. In fact, the message of the resurrection is the heart of the gospel. Quand un croyant ne sait pas que Jésus est vivant, when a believer doesn't know that Jesus is alive, tout peut lui arriver. Anything can happen to him. Quand quelqu'un sait que Jésus est là, when someone knows that Jesus is there, il est inébranlable. He's unshakable. Ils étaient ébranlés parce qu'ils croyaient que Jésus était toujours dans la tombe. They were shaken because they thought that Jesus was still in the grave. Et depuis l'Ancien Testament, and since from the Old Testament, Dieu a toujours voulu qu'on sache qu'il est vivant. God has always wanted that we know that he's alive. Cela comporte beaucoup de vertus. This has many virtues too. Quand tu crois que Jésus est avec toi, when you believe that Jesus is with you, d'une manière divine, in a divine tu way, reçois le secours de Dieu. You receive God's help. Quand tu trembles, when you tremble, ça veut dire que tu n'es pas sûr qu'il est ressuscité. It means that you are not sure that he has resurrected. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, vous aurez les tribulations dans le monde. You have tribulations on mais earth. Prenez courage. But take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome tous the world. Les enfants de Dieu, all children of God, qui ne croient pas en la résurrection du Seigneur Jésus, who don't believe in the resurrection of the Lord Jesus, ils peuvent avoir un témoignage d'une manière culturelle, mais il faut qu'il y ait une révélation que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. They can have a testimony at a cultural level, but they should have the revelation that God raised his son from the dead. C'est dans ce témoignage que réside toute la puissance pour demeurer en Christ, pour continuer avec lui. It is in that testimony that the power to abide in Christ and to continue with him is tied. Ceux qui n'ont pas cette vision de Christ, those who don't have that vision of Christ, ne peuvent pas être fortifiés dans l'homme intérieur, cannot be strengthened in their inner man. Quand tu vois Jésus ressuscité, when you see Jesus risen, conformément aux paroles des prophètes, in conformity with the words of the prophets, tu y as un courage qui t'anime. There is courage that abides. Tu es prêt à persévérer. You are ready to persevere. Et c'est pour cette raison que Paul disait qu'il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. That's why Paul could say that he fought against beasts in Ephesus because he knew
that Jesus had risen from the dead. Et il disait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. And he said that if Christ is not risen, then our faith is in vain. Ça veut dire que nous ne sommes pas soutenus. It means that we are not backed. Nous ne sommes pas assistés. We are not assisted. Parce que le corps de la résurrection, because the body of resurrection, c'est le corps de la plénitude. Is the body of fullness. C'est ça qui permet à Jésus d'être en tous. That is what permits Jesus to be in all. Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. He told his disciples that it is good for me. Et il a dit que avec la résurrection, Jésus est devenu un esprit vivifiant. And it is said that with the resurrection, Jesus has become a life-giving spirit. Il est avec chacun. He is with each one. Et il habite en chacun. And he lives in each one. Le découragement vient de l'ignorance de ce fait. Discouragement comes from the ignorance of this fact. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. And God doesn't want us to be ignorant of these things. L'apôtre Paul, défendant son ministère, dit ceci. This is what the apostle Paul says while defending his ministry. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthians chapter 15. À partir du verset 1. From verse 1. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which you also are saved and of which you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that, he was also seen by James, then by the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time, for I am the least of the apostles, whom I am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Donc l'apôtre rend témoignage que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. So the apostle bears witness that Jesus died, was buried and resurrected. Il fallait que ce témoignage soit restauré dans l'esprit de ces deux disciples. This testimony had to be restored in the spirit of these two disciples. Et quand ils sont arrivés, and when they arrived, ils n'ont pas dit nous avons vu le Seigneur, ils ont dit le Seigneur est ressuscité. They didn't say that we have seen the Lord. They said the Lord has risen. Et le Seigneur a demandé aux femmes, and the Lord qui le cherchaient, the women who were looking for him, d'aller dire à ses frères. To go and tell his brothers. Il avait déjà dit que ses disciples étaient ses serviteurs. He had already said that his disciples were his servants. Après, il leur avait dit qu'ils étaient déjà ses amis. Afterwards, he told them that they were already his friends. Mais après la résurrection, but after the resurrection, il a dit, allez dire à mes frères. He said, go and tell my brethren. Jésus est avec toi. Jesus is with you. Il habite en toi. He abides in you. Cela faisait des grands sujets de prière de l'apôtre Paul. This was one of the great prayer topics of the apostle Paul. Il dit, je prie que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur.
He says that I pray that you should be highly strengthened in your inner man. Et que Christ habite en vous par la foi. And that Christ lives in you by faith. Pour vaincre le découragement, to overcome discouragement, faut pas chercher Jésus dehors. Do not look for Jesus Christ. Il a outside. Dit, he said, vous connaîtrez que je suis en vous. You will know that I am in you. Tu dois croire que Jésus-Christ habite en toi. You must believe that Jesus Christ abides. Tu ne dois pas commencer à te comporter comme un homme déréglé. Je suis découragé, je ne comprends rien, je ne peux plus continuer. You should not start behaving like someone who does not know what he's doing. Now I'm discouraged. I don't know what I'm doing. I can no more continue. Lève-toi comme ces deux disciples. Rise up like these two disciples. Retourne à ton poste. And return to your position. Et tu seras béni. You will be blessed. Tu seras vivant. You will be alive. Il y a un autre exemple dans la Bible. There is another example in the Bible. Le cas de David. The case of David. Là, je vais parler de ceux qui sont découragés parce qu'ils ont échoué quelque part. There, I'm going to talk about people who are discouraged because they failed somewhere. Ce n'est pas un cas comme celui des disciples qui allaient à Emmaüs. It's not the case of the disciples who were going to Emmaus. Mais dans le cas de David, but in David's case, il a connu une humiliation. He went through a humiliation. Il ne pouvait même plus se reconnaître. He could no longer find himself. Mais comment est-il sorti du découragement? How did he come out of discouragement? Commençons par 1 Samuel chapitre 21. Let us begin with 1 Samuel chapter 21. Lisons à partir du verset 10. Let's read from verse 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ses paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Then David arose and fled that day before Saul and went to Achish, the king of Gath. And the servants of Achish said to him, Is this not David, the king of the land? Did they not sing of him to one another in dances, saying, Saul has slain his thousands, and David his 10,000s? Now David took these words to heart, and was very much afraid of Achish, the king of Gath. So he changed his behavior before them, pretended madness in their hands, scratched on the doors of the gate, and let his saliva fall down on his beard. Then Achish said to his servants, Look, you see the man is insane. Why have you brought him to me? Have I need of madmen that you have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? L'histoire est clairement relatée ici. The story is clearly told here. David qui fuyait Saül, David who was running away from Saul, et préfère entrer dans le territoire des Philistins. And he preferred getting into the Philistine territory. Et les Philistins le saisissent et l'amènent devant Achish le roi. And the Philistines arrested him and took him to Achish their king. Et les Philistins, les gens ont commencé à dire au roi, cet homme-ci, c'est le tueur de Goliath. And celui qui nous a toujours battu. People started telling the king, this man is the killer of Goliath. He's the one who has always won battle against us. Ils disent au roi, tu as certainement entendu une chanson, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Voilà, c'est David ici. And they told the king, you certainly have heard that song. That is song that Saul has killed his 1,000, David his 10,000. This is David. Le cœur de David a commencé à se battre. David's heart began to tremble. Une grande frayeur l'a saisi. Great fright came upon him. Pour s'en sortir, in order to get away, il a commencé à faire le fou. He started behaving like a madman. Donc, il mentait. He lied. Il a commencé à laisser couler la salive sur sa barbe.
He made saliva to come down from his beard. Il faisait des marques sur les portes comme un vrai fou. And then he was drawing things on the doors like a real madman. Akish l'a chassé. Akish sent him away. Mais vous m'amenez le fou si je veux faire quoi avec un fou? But you are bringing this fool to me. What am I going to do with this madman? Il y a même des fous dans cette, dans chez moi même j'ai des fous. Vous m'amenez maintenant un autre fou. There are many madmen around here. I even have some in my house. Why are you bringing me this madman? La vraie histoire commence maintenant quand David est chassé. The true story now begins when David is chased. Pour certaines personnes, ça devait être la fin de leur carrière. For some people, this would have been the end of their career. Devant des gens, tu fais le fou, tu deviens ridicule. Quand tu pars de là, tu peux aller te pendre comme Judas. Before people, you behave like a madman. And you do things like a madman, if for some people they will leave from that place and go and hang themselves like Judah. Beaucoup de personnes sont découragées parce qu'elles n'ont pas réussi à se relever après la chute. Many people are discouraged because they were not able to rise up after their fall. Ils se promènent avec leur culpabilité. They go around with their guilt. Posant le même problème à tout le monde. Laying the same problem before everybody. Confessant le même péché à chaque séance de prière. Confessing the same sin during every prayer session. Étant fatigué, ruiné, découragé. Tired, ruined, discouraged. Jusqu'au jour de l'abandon total. Until the day of total abandonment. De la démission. And resigning. Ce que le diable attend. And that is what the devil is waiting for. Mais David nous explique comment il a procédé pour rester debout. But David explains to us how he succeeded to stay up. Psalm 34. Psalm 32. Verset 1 à 8. From verse 1 to verse 8. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. A psalm of David, when he pretended madness before Abimelech, who drove him away, and he departed. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him, and delivers them. Qu'est-ce qui s'est passé donc après cet événement-là? What happened then after that event? David dit, David says, il est parti chercher Dieu. He went and directement. Directly. Il s'est retiré. He withdrew. Il s'est mis devant Dieu. And he put himself before God. Il a confessé son péché. He confessed his sin. Il a regretté. He regretted. Il a imploré la grâce de Dieu. And implored on the grace of God. Il était confus. He was confused. Il avait honte. He was ashamed. Il dit, he says, Dieu a répondu à sa prière. He says God answered his prayer. Et Dieu l'a délivré des frayeurs. And God delivered him from his fears. Dieu l'a délivré des angoisses. God delivered him from anguish. Dieu l'a délivré du découragement. God delivered him from discouragement. Et son visage rayonnait. And his face became radiant. Dieu a enlevé la tristesse de son cœur. God took away sadness. Dieu a enlevé la culpabilité. God took away guilt. Et tous les regrets, tous les sentiments négatifs qui accompagnent le péché. And all the regrets and the negative feelings that accompany sin. La tristesse, l'angoisse, le doute, la frayeur, l'effroi. Sadness, anguish. La crainte, la peur.
fear. Dieu a enlevé toutes ces choses-là. God took all of those things away. Et il dit, and he says, quand on tourne vers lui les regards, when we turn our gaze to him, le visage est rayonnant de joie. Our faces become radiant. Ils ne se couvrent pas de honte. And their faces are not covered. Ils devaient mourir de honte. He had to die of shame. Il devait disparaître. He had to disappear. Il avait des vaillants hommes qui le suivaient. He had mighty men who were following him. Mais but il a cherché Dieu. He sought God. Et quand il sort de la retraite, and when he came out from that retreat, il convoque les pauvres. He calls on the poor. Venez louer l'Éternel avec moi. To come and praise the Lord with him. Venez, exaltons-le, célébrons-le. Come and let us exalt him. Let's celebrate. Et dit, je veux louer le Seigneur en tout temps. He says, I will praise the Lord at all times. Tandis que les bons moments, les mauvais moments, je veux louer l'Éternel. Meaning that in good times and in bad times, dans la joie, le malheur, le bonheur, je veux louer l'Éternel. In joy, in pain, in happiness, we'll praise the Lord. Et c'est ça qui donne la victoire. And that is what gives victory. C'est de cette manière qu'on écrase le découragement. That is how we crush discouragement. C'est de cette manière qu'on persévère dans l'appel, dans la course, dans la vocation. That is how we persevere in the call, in the race, and in the vocation. Le secret est dans les petites choses, les petites attitudes. The secret is in the small things, the small attitudes. Et je supplie le Seigneur. And I plead with the Lord. Qu'il ouvre l'entendement de tous ceux qui sombrent actuellement. That you open the understanding of all those who are sinking at this tous moment. Tous ceux qui, à cause d'un échec, all those who, because of a failure, ou d'une faiblesse, or a weakness, sont abattus, downtrodden, écrasés, downcast, et se sont éliminés. And they have eliminated ils ont themselves. Pris le chemin du village. They have taken the way to the village. Ils ont besoin que le Seigneur leur rappelle les prophéties. They need the Lord to remind them of prophecies. Certaines personnes pensent que quand on est découragé, il faut des moyens. Il ne faut aucun moyen. C'est quelqu'un qui est découragé parce qu'il n'a pas d'argent. Il ne lui faut pas l'argent. Some people think that when you are discouraged, you need means. It's not the means that you need. Someone who is discouraged because he does not have money doesn't need money. Il a besoin de rencontrer le Seigneur. He needs to meet the Lord. Une fille qui est découragée parce qu'elle n'est pas mariée, qui a honte, qui veut disparaître, n'a pas besoin de mariage. Elle a besoin de Jésus. A girl who is discouraged because she's not married and she's in shame does not need marriage. Elle she doit needs rencontrer Jesus. Le Seigneur. She needs to meet the Lord. Qui va lui donner la joie de vivre même étant célibataire. Who give her the joy of living even as a spinster. Parce que quand on tourne les regards vers le Seigneur, because when we turn our gaze to the Lord, le visage est rayonnant de joie. Our faces are radiant with joy. On ne sait plus qu'on est célibataire. We no longer consider the fact. C'est vrai, tu vas te marier. It's true. You get married. Mais ça doit te trouver dans la vie et dans la joie. But this has to meet you in life. Quelqu'un qui n'a pas de travail. Someone who is jobless. Qui est abattu, triste, malheureux. Who is downcast, sad and unhappy. Il a besoin de rencontrer le Seigneur. He needs to meet the Lord. Ce n'est pas le travail qui va restituer la joie. The job will not bring back joy. La joie que les croyants ressentent. The joy that the believer feels, c'est la joie qui remplit leur cœur quand ils se sont approchés de Dieu. It is the joy that fills their hearts when they came to God. Dans Philippiens chapitre 4, in Philippians chapter 4, versets 6 et 7, verse 6 and 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. It says, be anxious for nothing. Mais en toute chose, but in everything, faites connaître vos besoins à Dieu. Make your needs known to God. Par des prières. By prayer et des supplications, supplication, avec des actions de grâce. With thanksgiving. Écoutez ce que la parole dit. Listen to what the word et says. La paix de Dieu, and it says the peace qui of God, surpasse toute intelligence, which surpasses all understanding, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Will guide your minds and your hearts il y a in une Christ paix Jesus. Qui remplit le cœur quand on est dans la présence de Dieu. There is peace that fills the heart when we are in God's presence. Quand on lui exprime nos besoins. When we explain our needs to quand him. On lui dit, Seigneur, voici ce qui m'est arrivé. When we tell him, Lord, this is what has happened quand to me. Quand tu dis, Seigneur, j'ai honte. When you say, oh Lord, I'm j'ai ashamed. Peur. I'm afraid. On se moque de moi. I'm being mocked. On me méprise. They despise devant me. Sa présence. Before him. Quand tu es devant lui. When you are before la him. Première chose. The first thing. Avant même que Dieu ne t'exauce. Before God answers en te donnant du travail ou bien une femme ou bien mari. By giving you a job or a husband or il wife. Il te donne d'abord la paix de Dieu. He first of all gives you God's qui peace. Qui surpasse toute intelligence. Which surpasses all understanding. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment dans ton état tu es heureux, tu es content. It means that they cannot understand how in your state you are happy and you are joyful. Quand les gens essaient de s'imaginer à ta place, ils ont peur, ils sont effrayés par ce que tu vis.
When people try to imagine themselves in your shoes, they are afraid, they fear. Mais c'est de là que toi tu tires ta force, ta puissance. But it is from there that you draw your strength and your power. Il te faut rencontrer le Seigneur. You need to meet the Lord. La victoire. Victory sur le péché. Over sin. La victoire. Victory sur le découragement. Over discouragement. C'est dans ta communion avec Dieu. It is in your communion with God. Une communion authentique avec Dieu. A genuine communion with que God. Que tu t'approches de Dieu. That you tu permets au Seigneur de te toucher. And you permit God to touch you. Paul dit. Paul say. Quand il a connu Jésus, l'excellence connaissance du Seigneur Jésus lui a donné la puissance pour voir que tout ce qui est dans le monde n'est que de la boue. That when he met Jesus, the excellent knowledge of Jesus gave him the power to know that everything that is in the world et is rubbish. Il a gardé le rythme dans la course. And he kept that rhythm in the race. Il a gardé la constance. He kept this consistency. Pourquoi? Why? Parce qu'il regardait ce qui est devant. Because he was looking at what is ahead. Enlève tes yeux. Take your eyes derrière off. Et regarde devant. From behind and look ahead. La Bible dit, the Bible says, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins, that being surrounded by a great cloud of witnesses, rejetons tout fardeau, let us throw off every burden, et le péché qui nous enveloppe si facilement, and sin that so easily besets us, et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte, and let us run with perseverance the career that is set before et us, ayant les regards sur Jésus, having our eyes fixed on le Jesus, chef et le consommateur de la foi, the author and the finisher of our faith, qui en vue de la joie qui lui était réservée, who for the joy that was reserved for a him, souffert la croix, suffered the cross, a méprisé l'ignominie, and despised et s'est assis à la droite de la majesté divine, and is seated at the right hand of divine majesty. C'est ce qui doit arriver. That is what must happen quand to tu you. Vas enlever tes yeux de tes échecs, when you take your eyes off from your failures, quand tu vas comprendre que c'est en Christ qu'on est fort, when you consider you know that it's in Christ, que sans Jésus tu ne peux rien faire, that without Jesus you can do nothing, une autre relation va se créer entre toi et lui. Another relationship will be created between you and him. Et il sera avec toi tous les jours. And he will be with you always. Que le Seigneur te bénisse abondamment. The Lord bless you richly. Que le Seigneur te donne la vie maintenant même. May the Lord give you life right now. Qui te permet de t'arracher. May he grant you the grace to à come. À tes doutes. To snatch yourself from à your tes doubts. Frayeurs. From your fright. Que tu te places devant lui. And come before David him. L'a fait. David did it. Et il a même découvert qu'il y a là, il y a des anges qui campent autour des croyants. And he even discovered that there are angels that encamp around him. Il ne le savait pas. He did not know it. C'est pour cette raison qu'il tremblait devant Achish. That is why he was trembling before Achish. Il croyait qu'il était déjà fini, il était déjà mort. He thought that it was ended for him. Il ne savait pas que même sans feindre le fou, même sans contrefaire le fou, Dieu pouvait l'arracher d'entre les mains des méchants. He did not know that even without faking madness, God could take him away from the wicked. Oh Père, tu es puissant. Oh Father, you are mighty. Et prions ensemble. Let us pray together. Ferme les yeux ou bien mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Close your eyes or kneel down. Qu'il te sorte de cet état. That is to take you away from this que state. Que tu retournes à Jérusalem. That you go back to Jerusalem. Que tu retournes à ton Jérusalem. That you go back to your Jerusalem. Que tu te mettes au travail. That you go to work. Que le diable cesse de se réjouir. And that the devil will stop rejoicing. À ton sujet. About you. Père. Father. Ramène tous tes enfants. Bring back all your children. Qui se sont découragés. Who have been discouraged. Qui ont arrêté la course. Who have stopped the race. Qu'ils soient restaurés maintenant même. May they be restored right now. Réveille dans leur pensée. Revive in their spirits. Toutes les promesses que tu leur as faites. All the promises that you made to them. Fais pour eux ce que tu as fait à ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Do for them what you did to these two disciples on rappelle the way to Emmaüs. Rappelle tes bontés. Remind them of your goodness. Rappelle ton amour. Remind them of your love. Ramène-les à toi. Bring them back to affermis you. Affermis leur cœur. Strengthen their hearts. Affermis leurs sentiments. Make their sentiments start de Jésus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. À mercredi prochain. See you next Wednesday. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. The Lord bless you.